أزول في اللونيات مثلا أسي ثمثين أويد هادي يسلن في فيديو ثي إلا قد زارا منكي ماشي ديون إدي خدمن في فيديو ثين أشاك فوا سور الريزو لي ريزو سوسيو نيو سور انترنت نيو سور يوتيوب معنا سا ميلا حوس غا مكني إلا قد خدمة في فيديو يتخدم عثوري يذوان فين ولا يضراد فغند يمذنان ذي ثمذينة مخرطة أكن الدينين ألا إتسانك يا مولا يجي يقرحي الحال يمولا ذي ثمذينة مخرطة ذي قذيلينا ملكني ذي قذيلينا ملكني فانت سابريد لكن دينين نو والسينكيام مولا شوف غير ديني شوف غير ديني بلوز اكزاكتمون ذا شو ان الفايدة نسعد قبيليت نسعاني قبيليا ما دفغنا دينين نو والسينكيام مولا دير اجوردوي نو والسينكيام مولا سي كوم سي soutenir un quelconque candidat. Soutenir un candidat. Donc c'est comme si choisir entre la peste et le choléra. La Kabylie n'a pas à choisir entre la peste et le choléra. La Kabylie, Saadel Hif. Arawis, Saadel Hif. ثلاثة قبيلي سعد الحيف ثمتو تقبيلي سعد الحيف أرقز قبيلي يسعد الحيف أدني نكني ثمور ثنا ثمور تقبيلي والساعة ولد الفيدة وثلارا بور لو سانكيا موندا وثلارا بور لو برومي موندا نبوت فليقا إمكاتي لي كونتر لو سانكيا موندا باسكو ثلارا pour un premier mandat. On ne peut pas être contre un cinquième mandat tant que la Kabylie n'a jamais été contre le premier mandat. Déjà dans les années 2001, que les émeutes, le bain de sang coulait en Kabylie. Je fais mouk, assumé, Samour Thelzaïr, sous cette la Kabylie. Jarhitz. De l'Askar al-Zayyar, de la gendarmerie al-Zayyar, de la police al-Zayyar, et Thérin, Tharwent, Kvailis, Sarsas, Mouthen, Khtar, le milieu de Sébaoïcharin, et le Mzayan, son Mzayan. Et là, c'est là une bonne drôle. À cette époque-là, Hassan Akar, Bouteflika, n'est pas le président de la Kabylie. Donc, pour ne pas trahir le sang de 628 jeunes kabyles assassinés lâchement et froidement par les corps d'insécurité algériens, on ne peut pas identifier ce mandat, étant donné que nous n'étions jamais concernés déjà par le premier mandat. في سنة الدينية لا السنكية موندا سي كوم سي اوني اون تران دو سوتونير لو موندا او ان تيل كونديدا اذا جي لقد نقال وي سي تري بيرتينو دون لا سوسيولوجي بوليتيك دابور ديتوديي لو بروفيل des candidats lièvres et glen et des présentines mensen et du sénessa avec une aveline des éloignes de mourir de l'Zaïr le 18 avril à ce moment là c'est des candidats lièvres mais nous sommes nous allons voir mais nous réellement de mourir de l'Aveline nous au sein de Ken ils étaient recrutés pour un semblant démocratique. Mais nous voyons le profil de ces candidats.
Tenuisan, et Wakan pour ne citer pas les noms, sont des candidats pratiquement arabo-islamistes. Pas que arabo-islamistes dans la matière de, disons, d'une manière folklorique, mais d'une manière aussi pertinente, par conviction. Par conviction, pourquoi? On a vu tous ces candidats dans leurs discours jusqu'à maintenant, de leurs interventions jusqu'à maintenant, ils font la promotion de l'islamisme et de l'arabisme. Flagrant. On ne peut pas dire qu'ils ne le font pas. Parce que Nouvelle-Athènes, Lenda, Athènes, Kthmour-Thelzeir, on suit l'actualité. Quel est le candidat? Je me pose la question à nos amis au Kébil, à nous le candidat qui n'est pas islamiste et qui n'est pas arabiste. Il est Yewen, c'est le candidat du MDS que je peux dire il a trahi, même ceux qui l'entendaient bien avant. C'est un jeune, il n'a pas le charisme politique, il n'a pas la culture politique suffisante pour être président d'un État ou d'une république quelconque. On doit reconnaître ça. Mais sinon, si je dois évoquer les noms des candidats lièvres, les plus, au moins les plus médiatisés, comme Ghani Mahdi, comme Rachid Ninkez, et comme Ali Abderi, qui se trouve, il est le plus médiatisé, le plus qui fait du bruit autour de sa candidature, donc parce que il est le représentant du clan du pouvoir, le clan de l'Est, pour le dire clairement. Les personnages cités, on les a connus. Ils sont des islamistes. Comme Ghani Mahdi, comme Rachid Nikes. Des islamistes, des anti-kabyles de la première heure. Ami Khelan, les anti-kabyles, c'est de la première heure. En 2001, ces personnages cités, ils étaient adultes, universitaires, ou peut-être déjà diplômés, ou peut-être fonctionnaires. Vous savez, quand la gendarmerie algérienne tirait avec des balles explosives sur des jeunes kabyles désarmés qui ne revendiquaient que le bonheur, que le bien-être, que l'existence de la démocratie et de la liberté, ces gens-là n'ont jamais condamné le massacre et le crime commis contre la Kabylie. Nous étions les moutines kabyles, les théimètes kabyles. ألا يقفيليني من نص قفيليث ألا ويد سنان في قفيليث معنى ويقي إلزيتي لا pour soutenir le pouvoir algérien parce que leur silence s'ils n'ont pas soutenu le pouvoir dans son crime contre la Kabylie, leur silence est un double crime. Oui, est un double crime. Je peux vous citer les deux personnages importants, deux intellectuels algériens qui ont condamné les atteintes et le crime de la gendarmerie algérienne commis en Kabylie, si bien Ben Chikou et Boualem Sansal. La position de Boualem Sansal
et d'Agirc-Arrco. Ce qui se passe en Algérie, vous allez comprendre que ces gens-là, ils ont presque la même position que moi. Ils ont la même position que toutes les personnes éprises de justice et de liberté. Mais, Ghanim a dit plus tôt, Rachid Nekaz, ils étaient là pour soutenir la tendance, la mouvance islamiste. Parce que c'est leur propre culture, c'est leur propre identité. Ils s'identifient quotidiennement, chaque jour, partout et n'importe où à cette idéologie meurtrière. Revenons plutôt à Ardiri, le général à la retraite, qui est le plus médiatisé, qui est le représentant du clan de l'Est, et le plus, moi, pour le moment, le plus vu comme un personnage important pour les présidentielles algériennes de 18 avril 2019, parce que il représentait le clan de l'Est et la momie ou le grabataire Bouteflika représente bien évidemment le clan de l'Ouest. Et comme nous le savons, c'est depuis 1962 que l'Algérie est disputée par deux clans, le clan de l'Est et le clan de l'Ouest. L'Erdéré, qu'est-ce qu'il avait déclaré récemment? Chudil, Mithdar, Gtiesa, Inès, Dina Staraf, Dina Staromit, Inès l'Islam Harrarana, ou bil Islami Sanatakad. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Islam nous a libérés. Par l'islam, nous allons nous prospérer. Il ne s'est pas arrêté là, parce que, en évoquant le statut, ou plutôt l'emplacement de l'Algérie dans la Oumma al-Arabia, dans la grande nation arabe, l'Union arabe, le Chassinat, Inès, l'Algérie. Tifked 1 500 000 igmouthen fl l'identité arabe. C'est pourquoi l'Algérie doit avoir le poste le plus privilégié dans l'Union des pays arabes, la grande nation arabe. Tina, la grande nation arabe, Zinedine Mohamed Arkon, Unity Islam, le monde arabe, n'a pas d'existence, est une imposture, est une abstraction. Donc, mais il laisse ça. Il faut que c'est vrai qu'il n'y ait pas de l'Église. Il faut que c'est vrai qu'il n'y ait pas de l'Église. Et wesh. Pour soutenir Al-Erdiri, pour soutenir ces islamistes, ces arabo-islamistes, contre le cinquième mandat? Non, je ne pense pas. Il est inadmissible que des Kébiles sortent dans la rue pour soutenir des militaires, pour soutenir des islamistes, pour dire non à un grabataire. Non, la Kabylie n'est pas concernée, ni par le cinquième mandat, ni par la candidature d'un général, ni par le soutien de la candidature de quelconque. Il a quatre hommes, mais il dit deux ou neuf. Il a dit contre le cinquième mandat. J'ai suivi sur les réseaux sociaux des gens, pour ne pas dire que des sympathisants de
clan de l'Est, clan de Dieres, c'est un clan parce que c'est un clan contre un clan, le clan de l'Est contre le clan de l'Ouest, comme le clan de l'Ouest contre le clan de l'Est. J'ai vérifié le vocabulaire, la syntaxe, les textes des gens qui appellent les Kabylie. Et les Kabyles à sortir dans la rue contre le cinquième mandat sont des gens tout à fait instruits, qui maîtrisent parfaitement la langue française. Ce sont des journalistes, ce sont des diplômés universitaires. Donc ces gens-là, ils sont titulés par un clan pour faire sortir la Kabylie dans la rue contre le cinquième mandat. Et par conséquent, permettre à un clan d'être à la présidence de la République algérienne. Et nous avons expliqué que tous ces gens-là, tous ces personnages, tous ces candidats lièvres, quel que soit celui qui aura l'accès à l'Mouradia, l'Mouradia c'est la maison des tyrans, c'est la maison des dictatures, c'est la maison des totalitaires, c'est la maison des autoritaires, c'est la maison qui confectionne le malheur de la Kabylie. Taqbaylit, Tamour Taqbaylit, khatarna adad sina. Depuis 1926 plus ou moins, Tamour Taqbayl est toujours initiatrice pour la liberté ou des libertés. Qu'est-ce qu'on a gagné? Nous n'avons pas placé Salih Hadj à la tête de l'étoile nord-africaine et qui nous a trahis malheureusement. Parce que en 49, n'est-il pas une Salih Hadj que les Kabyles ont placé à la tête de l'étoile nord-africaine qui a déclaré que l'Algérie est arabe et islamiste? En 54, la première balle n'est-il pas tirée en Kabylie? En 56, dans le congrès de la Somme, que malheureusement certains Kabyles ont condamné d'autres Kabyles, qu'on dit barbaristes entre guillemets, on les a condamnés par la mort. Mais Benay Wali a été assassiné pour ses convictions kabylistes. En 62, qui a pris le pouvoir? C'est certainement le pouvoir actuel, la Kabylie, via le mouvement créé par l'UFFS et la préposition contre l'Algérie. Cinq sont maquisards kabyles qui ont affronté le colonialisme français. L'une des plus armées sur Terre, soutenue par l'OTAN. Il ne faut pas oublier qu'elle a été soutenue par l'OTAN. La Kabylie était épuisée. Il n'avait pas la force de faire face. L'histoire nous a appris que nous n'avons rien appris de l'histoire. Nzeroui, l'eschina de Meken, ou l'esh, la chouette de Negem, la chouette de Nessel, c'est comme Nzeroui. Et nous voilà. Ça, mais l'esh de Nia et la jeunesse kabyle, méfiez-vous, ne sortez pas dans la rue. Il y a la guerre des clans. Chacun
veut s'imposer à la tête de l'État algérien pour perpétuer le colonialisme systématiquement exercé sur le Kabyle, sur la Kabylie, sur les hommes et les femmes kabyles. Ferré, Adara Ferré Daran. هي الأقبالي هي التقبالي هي الوين يومنا استقبالي أمشي غويلي أنتي غويلي كيل بارتيسيب على السنسيبيليزاسيون هي الموبيليزاسيون de la jeunesse kabyle, de l'âme kabyle, de la conscience kabyle, pour participer activement et fièrement à la fondation et à l'avènement ou à l'avènement de l'État kabyle libre et indépendant. Moussaadad Hussein Moussaadad Hussein Moussaadad Hussein Moussaadad Hussein 62 admis de 2019 الدرس التقبيليس غناغ تقبيليس إلى فون كتوي لكبيلي صرامي واش نغان تقبيليس خطريني ضرانو كي ما ضال سا توت لي لوت بوليتيك اوكيل il livre le monde sont des luttes culturelles sont des guerres culturelles c'est une guerre économique. Mais en réalité, c'est une guerre culturelle. Oui, c'est une guerre culturelle. Mais nous voyons ça, l'Occident, l'Orient, on peut comprendre que cela est une guerre culturelle. Mais nous voyons le christianisme, le judaïsme, l'islamisme, c'est des guerres culturelles parce que ces religions idéologiques sont plutôt des cultures qui appartiennent ou qui sont adoptées par des peuples donnés. C'est Mursa l'Aqbaye qui n'a pas une religion propre à elle parce qu'il est judaïste, il est chrétien. Il est musulman, mais il est laïque. Tamurt al-Qbayl ta'ada ou kouikisi ou al-Hajja, khatar, il est laïque. Il est laïque, il a mis toutes les religions sur le même pied d'égalité dans le jugement. Knasana qarst qbaylis. جمع الإيمان قسم إلى سات لايسيتي ولا شيتس دون لو تيرم إن نا با أن تيرم تكنيك بوليتيكمون نو فيت سيد أون لا تروفي دون لا ريفليكسيون دون لا بونسي كبير لكن تيغاليس أون جور أون نون دو توت لي كرويونس جمع الإيمان دونك أوكين ريليجيون ني أو دسو دو لوتر Toutes les religions sont égales dans la société kabyle. Et la Kanzar, un peu, c'est l'actualité politique. Actuelle, et la Kanzar, qui fait mourir la Kabyle. C'est un système démocratique, un système laïque qui est propre à elle. On ne le trouve pas ailleurs.
Il n'est ni en Occident, ni en Orient, ni en Afrique, même en Afrique du Nord. L'assemblée villageoise a géré une tête d'Inde. Il est propre à la Kabylie. Vein Tamour, c'est la Kveil, Iksan, Tajmaat. Et Vachou Tajmaat, c'est l'assemblée du village. L'assemblée du village est égale peut-être aux assemblées qu'on voit aujourd'hui dans des pays les plus développés. Mais il a l'avantage que Tajmaat, ça, il nous mène par la démocratie directe. Parce que même les assemblées occidentales n'ont pas encore atteint ce stade politique de la démocratie directe ou de la gouvernance directe. Sinon, pour la religion, nous avons l'assemblée du village où l'Esh et nous menons le mariage du politique avec le religieux. Au contraire, il y a la séparation entre le religieux et l'assemblée du village. Tamour Taqbaylit, Tfkad, Ithelza, le pays Kabyle a donné à l'humanité ce que les pays dits développés n'ont pas donné encore. Mais Amikinzmer Adner, Tamour Taqbaylit sur la scène international pour exactement promouvoir ses idées, promouvoir ses convictions, promouvoir sa pensée démocratique et sa pensée laïque, si elle est toujours gouvernée par des États arabo-islamiques. Non, ce n'est pas possible. Tamour Taqbaylit, il y a des douces, un down et lac, Tzilq Dimanis. Il a carréwis, son affouche des fousses. Rasmeila, on n'est pas condamné à avoir les mêmes idées, au contraire, parce qu'il faut s'unir dans notre divergence et ne pas se différer dans notre union. Et pour construire un État kébile, des institutions kébiles qui peuvent apporter quelque chose à la Kabylie, mais à ses voisins immédiats, à tout le continent, voire à toute l'humanité. La Kabylie a les moyens. Le mot Taqbaylit, ça a sa mémoire. Car la mémoire collective de la Kabylie, elle est imprégnée de valeurs universelles, humaines et humanistes qui peuvent apporter au monde entier, à tous les peuples, quelque chose de précieux, quelque chose d'important. Le mot Taqbaylit, ça fait du gringue la Méditerranée, le Bahar Assam, le Bahar Agrakan, idéogramme parmi les anciennes civilisations de la Méditerranée. Il garde toujours les gestes qui forgent la démocratie et les libertés. Mais il garde quelque chose de peut-être de plus important. La Kabylie constitue la mémoire plusieurs fois millénaire de la Méditerranée. Si vous voulez connaître le grec, si vous voulez connaître le romain, si vous voulez connaître effectivement agricole, la culture méditerranéenne, étudiez la Kabylie et vous allez trouver qu'elle garde toujours une mémoire de cette partie de l'humanité. Sauvez la Kabylie de la disparition. Rendre la liberté à la Kabylie
libérer la Kabylie de la tutelle des États arabo-islamiques qui la tuent. C'est comme si sauver une partie de l'humanité. C'est comme sauver une partie de la mémoire collective de l'humanité dans le monde. Des fois, là, on a donné un Owen pour finir. Akveli, Akvelis. C'est Kharata Arbouzigan. C'est Melbo Artichi. C'est Kavo Armichli. Ardera Almizan. C'est Goureya Arjordura Arbabor. تفوس ذي فوس وتسجى ثلاثة مرت قبيلث أتروح ذا سفل فويا أتروح ذا سفل ويا تفوس ذي فوس لكن هذا نار الزليث قبيلث هذا نفك هذا نسغمي في اللي إذ قبيلث هذا نار الزال يوذي موثن في ثوذر ثنا فلنا في القبيليث لكن مثلا لا يوث الحج ذغن لأن مذي دي قرن تمورث القبيل وإلا قرى عندي لي عندي بوندست بوكوا باسكو لا كابيلي إتا مزيغ وي لا كابيلي إتا مزيغ مي بوركوا تو لي بوبل كي كونستيتيو لو موند عرب اون لور انديبوندونس اون لور بروبرز إتا. Pourquoi à l'Occident, il y a les latins, quand on parle de la langue latin, le ferum de Vix, et Wanichen, et Elions, tout à l'éthis. Les Slaves, ils ont leur propre état. Les Germaniques, ils ont leur propre état. Chaque peuple, du peuple germanique, de l'ancien monde germanique, a son propre état. Pourquoi Imazéran? Plutôt, je vais la poser comme question. Les peuples amazighs sont-ils condamnés à ne pas avoir des états? Non, au contraire. Mais là, il y a un ouvraf qui amazighs, il y a pour le moment, avec sa résistance. Awenech, d'ailleurs, Fakveili. Et oui, il y a un menel. C'est la cause amazigh. Lucien nous dit que Smadhili ou Arfaq Veili, Vilili, indépendant, Smadhili, un état kabyle, tous les peuples amazigh auront eux aussi leurs propres états. Ils auront leur indépendance. Un état kabyle fort, il va défendre l'intérêt de tous les peuples amazighs, d'Echawi, d'Amzavi, d'Atergi, d'Arifi, d'Infoussi, d'Asoussi, d'Akamari, d'Siwa. هذا نسعو نزمر نكنس قبيليا نسعو ألالا نسعو نوتر كوميونيكاسيون ديبلوماتيك نوتر ريبريزونتاسيون ديبلوماتيك نسعو نوتر بروبر أرمي نسعو نوتر بروبر كور دو سيكوريتي ذينك زمر هذه جنت مرتق ذيليس زمر هذه غير أفوس المعاونة إغارفان إمازيغان النظام يتصبح قرن سو لزيتا دي أربو إسلامي كواتر لكابيلي إلى السول إلى السول ناسيون إلى السول بوبل في أفريق دي نور بور لمومو كابابل دي ركونفيغوري لا جيوبوليتيك fondée sur l'ordre colonial. La Kabylie va redonner à ses peuples le droit à la liberté,
le droit à la dignité, le droit à vivre leur culture, leur langue. Yasmathan, زرايا كو ماشي ديوت نتمسالت نزمر أدنيني معنا في غريو لو ديرني يكري كو جو لونس عليكار تو تو لي كومباتريوت كابيل نو سورتي با دون لا ريو بور سوتونير ان كانديدا سوا ديزون كونتر لو سانكيام ماندا نو. Ces gens-là sont en train d'utiliser la jeunesse kabyle et la kabylie pour régler leurs affaires, pour faire grandir leurs ambitions. Et sachez-vous, avec le soutien de l'armée, pour le cinquième mandat, tous les candidats, alors là, ceux placés par un clan du système, pour soi-disant disputer la magistrature suprême de l'Algérie, sont prêts à mettre le feu en Kabylie pour justifier leur défaite, leur échec et leur fausse analyse. Les candidats en question souffrent énormément de l'inculture politique. Et ce n'est pas à nous, ce n'est pas au Kabyle de nourrir leur programme, de nourrir leur chance d'être à la magistrature suprême de l'Algérie. L'Algérie est un cimetière des peuples. Il n'a jamais été le paradis des peuples. Salmerti ou Nias Matan, Salmerti ou Nidi Islam, Salmerti ou Nidi Arnawal, Athad Nouralti Kilton Nivan, Svidius Nivan, Ouzri Ala, Adira Théori Dagan, Ouzri Saan, les chaînes YouTube, Ouzri Saan, l'audience, Amadé les pages ensemble, Anna. Khatr l'internet il est utile aujourd'hui. On doit l'utiliser à notre faveur. Il se verra notre qbaylit. Il y a la cause kabyle. Merci.